nous allons voir comment est-ce qu'on peut corriger une peinture qu'on a manquée ou bien qu'on veut simplement l'améliorer. Par exemple, ici, ce tableau, je l'ai peint dans le Charlevoix, sur le vif, sur le motif. Le tableau comme tel, lorsque je l'ai fait, j'étais quand même sur place assez satisfait. Il y avait beaucoup de luminosité, ce fait qu'après, quand on rentre à l'intérieur, le tableau, il paraît différent. Je n'ai peint qu'une seule fois dessus, donc c'est normal aussi des fois de revenir sur une toile. La première chose que je vais faire avant de commencer à peindre, c'est de retirer les épaisseurs avec mon couteau. Là où je vais retirer des choses importantes, comme ces petits arbres, là, les trois arbres, je vais les enlever. Donc, j'enlève un petit peu l'épaisseur de peinture. Vous voyez, on voit que c'est bien sec. Alors, je vais vous montrer comment est-ce qu'on vérifie. Comment est-ce que je peux vérifier qu'est-ce qu'il y a à corriger sur ce tableau. Le mieux, c'est de le prendre en photo, puis avec un téléphone cellulaire, c'est facile. On peut commencer déjà par le mettre en noir et blanc. Si je mets la photo en noir et blanc, je m'aperçois ici que finalement, je n'ai pas beaucoup de contraste. C'est un gris assez sombre quand même pour l'ensemble du tableau. Donc déjà, je peux me dire qu'il est assez sombre, il est très sombre. Je pourrais travailler déjà dans un premier temps les valeurs pour améliorer le tableau. Et au niveau des valeurs, je me dis que si j'éclaircis tout le tableau, l'ensemble, sauf l'avant-plan et l'arbre ici, je pourrais augmenter l'effet de profondeur. Je trouve qu'il manque un peu cet effet de profondeur. Ça va être intéressant de voir le avant-après. Hein. Ce qui peut être intéressant de faire aussi, c'est venir ici, la colline en arrière, ici, un petit peu plus blanche, plus pâle. Puis ça va se fondre. Là-bas aussi, ça se fond. Puis ici aussi, dans le bas, on peut le faire plus pâle aussi. Voilà. Ça fait brume légèrement. Vous voyez, tout ça vient de reculer un petit peu. Ça serait une façon déjà de l'améliorer. Une autre manière de vérifier si notre tableau, la composition à ce moment-là plutôt, si la composition est bonne ou si on peut l'améliorer, c'est de faire une inversion, de le mettre en miroir horizontal sur l'ordinateur ou dans votre téléphone. On fait un flip horizontal. Je vous montre à l'écran. Voilà. Et là, on se retrouve avec quelque chose de nouveau qu'on n'est pas habitué à voir. On le redécouvre et on est plus objectif, on arrive mieux à, on va dire, à l'analyser, puis à trouver les problèmes pour pouvoir les corriger. Comme par exemple, je le savais, mais là je le vois encore plus, que le point focal, ce sont ces trois arbres, et c'est vraiment trop centré d'une part. Et parce qu'ils sont trop centrés, ils sont plus près de ce grand arbre-là, et ça crée comme un déséquilibre sur la droite du tableau. Donc moi je les déplacerai un petit peu à gauche, d'une part. Ensuite de ça, ici on a une espèce de bosse comme ça, c'est bombé un petit peu, et ça va nous faire sortir du tableau par ici. Bon, je le remets à l'endroit, on va le remettre à l'endroit, voilà, comme ceci, vous voyez, ça nous fait sortir du tableau un peu à droite. Alors, je m'étais dit qu'avec cette ligne-là, tout ce qui se passait ici, ça nous empêchait de sortir à droite. Oui, quand même un peu, mais pas tant que ça, puisque on est déséquilibré vers la gauche. Donc, si je déplace les arbres, je les mets plus à droite. Si le bombé, je le rends un petit peu plus plat, en rajoutant des arbres ici par exemple. Si je travaille les valeurs pour éclaircir tout l'arrière-plan et garder foncé que l'avant-plan, ah, ça va être intéressant. Je prends juste deux petites secondes pour vous rappeler que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous cette vidéo pour obtenir gratuitement le nouveau e-book Palette Parfaite. Ça va vous aider, je suis certain, dans vos mélanges de couleurs. Cette petite forêt qui est là-bas au loin derrière, d'ailleurs que je dois remonter ici un petit peu. On va y aller avec du jaune. Un petit peu de bleu outre-mer. Alors j'avais mis à ma, lorsque j'ai peint sur le motif là-bas, j'avais mis des verts plus chauds, j'avais mis beaucoup de rouge dans mes verts. Mais là on va pouvoir les garder comme ça, un petit peu de blanc pour même refroidir ce vert et le pâlir. Alors c'est ici que je vais faire les grands arbres. Puis je vais aller peut-être un petit peu plus autour. Voilà. Donc, je vais revenir foncer aussi un petit peu légèrement parce que là c'est très uniforme ce que je mets. Vous voyez, je remets ça aussi un petit peu plus droit. Voilà, on varie un petit peu les verts déjà. On va même en mettre plus par ici. Je vais travailler la prairie ici maintenant. Alors, pas mal de jaune, du médium, du médium, du médium. Un petit peu de blanc, un tout petit peu de rouge, très très peu. Vous voyez comme ça change beaucoup, hein? Alors, comme je veux le mettre plus droit, au lieu de tomber ici, de descendre, je vais le partir comme ceci, là-bas au loin. Ça aussi, c'est vraiment trop. Je vais descendre un petit peu quelque part par là. Peut-être faire un petit trou, garder quelques arbustes, mais pas trop. Voilà. Là, on est dans ce qu'on pourrait appeler la modification majeure. Hein. Et regardez comment il pâlit le tableau dans son ensemble. Hein. Ça devient beaucoup plus joyeux, beaucoup plus lumineux. Je pourrais prendre un pinceau plus gros, mais je préfère garder celui-là pour garder la même touche.
voyez le chemin ici, je l'enlève, donc ça crée une simplification. Le tableau va être un petit peu plus allégé. Ici, je peux laisser quand même cette remontée légèrement. Ça peut être intéressant pour nous emmener vers notre sujet principal par là-bas. Comme vous voyez un petit peu ici à travers, ça peut être intéressant aussi. Là, je vais prendre, je nettoie bien mon pinceau, des couleurs qu'on a mises là-haut dans les collines, là, des mauves un petit peu, des bleus, des pâles. Je vais venir en mettre un petit peu dans les arbres ici, légèrement. Ça peut représenter du bois sec, ou avant de revenir mettre du feuillage. Là. Et en même temps, ça commence déjà à pâlir. Voilà. On va faire du vert très foncé, tout petit peu de rouge pour le neutraliser un petit peu. Puis là, on va pouvoir revenir travailler ce bosquet. Voilà, c'était un peu trop régulier. Je vais ramener aussi un petit peu de l'irrégularité là-dedans. On tombe dans une température de couleur beaucoup plus froide que ce qu'on avait quand même en avant ici. Là. Voilà, on va salir un petit peu notre champ, mais pas trop. Et pour des, voilà, quelques branches mortes ou troncs d'arbres, petite simulation. Puis en même temps, ça garde la zone un peu plus pâle que ce que c'était. Puis s'il y a des endroits où c'est trop, je peux revenir avec du foncé aussi. Voilà, que ce soit irrégulier. Allez, on va faire nos petits arbres. Là, je prends le petit pinceau. Là, ça va être notre sujet principal. Alors là, j'avais cette ligne ici qui remonte. Ça sert plus à rien. C'est fini, c'est fini. On va le faire un peu plus foncé encore. Du bleu, du rouge et un petit peu de jaune, pas beaucoup. Ça fait penser un petit peu à des peupliers. Je pense que c'était ça, il me semble. Je ne suis pas certain de mémoire. Bien sûr, quelques ombres portées. Et bien sûr, des lumières. L'important, c'est de garder le style du tableau. Hein. Ça, c'est vraiment très important. On va apporter un petit peu de l'irrégularité et du flou ici en bas. On pourrait dire même, tu sais, c'est pas juste trois arbres pour avoir quelques buissons. On peut les faire découper aussi, si on veut, à certains endroits. C'est là, c'est beau, c'est discret. On va voir maintenant, on peut toujours l'améliorer, le monter plus gros ou plus grand, si on veut. Hein. On va voir si j'ai besoin de faire peut-être un petit peu plus foncé ici, pour arrêter la composition, là. Voilà, juste que ça s'arrête là. Et un peu de pâle aussi, sans plus, là. Voilà, ça marche. On peut aussi remonter encore ici, ça. Voilà. Hein? Hop, ça remonte, donc on ne sortira pas trop à droite. Allez, maintenant, on va travailler l'avant-plan. Le grand arbre ici, et l'avant-plan. Alors le grand arbre, là, ça va être beaucoup de bleu outre-mer, un petit peu de jaune, un petit peu de rouge, du médium. Ça, ce sont les couleurs qu'il y avait lorsque j'ai fait le tableau. Ok, on va mettre plus de jaune quand même. Alors j'avais du mal à le faire ressortir sur l'arrière-plan, mais maintenant c'est plus pareil en arrière, donc ça va être plus facile pour le faire ressortir. Je vais le descendre jusqu'en avant ici, vraiment, voilà. Allez, on va faire du plus noir encore. Oui, c'est bon ça. Je peux peindre épais, là, tu sais, j'étais déjà en épaisseur, puis je continue en épaisseur. On l'élargit à la base, sans problème, puisqu'il est vraiment en avant. Je me garde quelques parties sèches de toile pour venir mettre quelques lumières. Mais il est évident qu'ici, il aurait besoin de monter plus. Pour la composition, je pense vraiment que c'est bien nécessaire. C'est fou comme ça change des fois un petit truc, une petite modification, ça change beaucoup. On peut l'arrêter là, comme on peut le faire sortir. Les deux sont possibles. Moi, je pense que je vais l'arrêter là. Cette teinte-là que je viens de mettre, je peux en remettre encore ici. Et là, je mettrai moins de lumière ici. Je n'ai pas besoin d'en mettre autant. On n'a pas besoin de faire ressortir l'avant-plan. L'avant-plan, il est là pour nous faire sauter de l'autre côté. Je ne vais même pas toucher ma signature. Je vais la contourner. Elle est ici en bleu. Je viens juste essuyer mon pinceau, comme ça, un peu sec, par là. Donc, il n'y a pas vraiment de changement de style. Hein. J'ai changé la luminosité, j'ai changé la composition. Là, je vais revenir avec des lumières dans l'arbre et les avant-plans. Là, je pense que c'est bien de ne pas avoir mis, cette ligne qu'on avait ici qui revenait par là. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que des fois, on ne fait pas grand-chose et ça améliore beaucoup. Hein. Un petit peu quelques jaunes là-dedans aussi, légèrement. Ça se mélange à ce qui était là, donc ça reste pâle. C'est plus harmonieux que c'était trop gris, trop mauve. Voilà. Pour faire l'harmonie, tu prends de la couleur ici, tu viens la mettre ici. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, vraiment, je m'amuse. Là, je prends du plaisir, vous voyez. Des fois, c'est bien aussi d'avoir une petite ouverture dans l'avant-plan. Hein. Ça nous permet de rentrer dans le tableau un petit peu.
bien de l'alléger, simplement alléger l'avant-plan. Faut pas que ça fasse trop régulier non plus, toujours pareil, faire attention à ça. Pas faire des créneaux d'un château, des petites dents ou autres. Là aussi, c'est pareil, on peut venir mettre quelques petites lumières dans l'arbre. Vous savez, on pourrait travailler encore des heures, continuer, 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 jusqu'à une parfaite satisfaction, comme on peut arrêter là aussi. Chacun y va avec ses goûts personnels. Ça a beaucoup, beaucoup changé. Si on compare le tableau avant et le tableau après, on se rend compte que finalement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons gagné beaucoup en espace. C'est moins clos, c'est plus grandiose, c'est plus aéré, on respire mieux ici. On n'a pas tellement quand même changé l'atmosphère, que c'est l'été, qui fait quand même assez chaud. On a plus de profondeur, on peut plus facilement rentrer à l'intérieur du tableau pour s'en aller au-delà de l'avant-plan, s'en aller vers le point focal, qu'on peut dire il est ici, mais ça peut être aussi par là-bas. Le point focal, c'est où on s'en va au plus loin dans le tableau. Là-bas, on descend le fleuve de l'autre côté de l'île. Bon sang. De l'île aux coudres. Ça y est, le nom m'est revenu. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à regarder cette autre vidéo qui s'intitule « La règle secrète à connaître impérativement pour peindre ».